Gardez la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. Par d'accord exemple. Là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? L'Inattendu explore les archives du Palais Bourbon cette semaine. À quelques jours des législatives, nous allons voir comment s'inscrit cette institution au sein de notre République. Bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, l'hémicycle, c'est le lieu où le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, le peuple dans sa diversité, s'exprime. Et qui mieux que Jean-Louis Debré pour nous parler de l'Assemblée nationale? Bonjour Monsieur le Président, nous sommes ici chez vous, c'est peu de le dire, hein. Vous avez fréquenté le Palais Bourbon plus de 20 ans en tant que député, en tant que président de l'hémicycle, mais aussi en tant qu'enfant. Cette salle des quatre colonnes, c'était votre salle de jeu, c'est ça? Oui, mais cette maison, c'est pas chez moi, c'est la maison des représentants du peuple. Mais j'appartiens à une famille politique et au lendemain de la guerre, j'étais petit et mes parents se réunissaient régulièrement avec leurs amis de la résistance. Et puis quand vous avez 10, 12 ans, les conversations des grands, ça vous ennuie. Vous s'occupez. Il faut s'occuper. J'avais trouvé un système, mais c'était un autre monde. Je venais avec mes patins à roulettes et avec un certain nombre d'enfants d'huissiers, nous faisions des parties. Et là, je vous assure que quand vous tournez ici et que vous repartez, c'est fantastique. Mais ne le dites pas. Alors, en votre compagnie, on va prendre le pont, on va découvrir cette Assemblée, on va parler des députés, bien sûr. Pourquoi y en a-t-il 577? On va également parler des femmes dans l'hémicycle. Enfin, nous reviendrons sur certains moments qui ont marqué la vie du Palais Bourbon. Mais d'abord, le zapping de l'inattendu. Alors, Monsieur Barr, on se défile toujours? Le Premier ministre se défile à la télévision et il se défile à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, Nicolas, Dominique de Villepin. Touchée, Christine Boutin s'effondre en pleurs. Se ressaisissant, la députée UDF descend affronter le Premier ministre. Elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage. Il est légitime que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste, compte tenu des méthodes. Fureur de la droite, on t'avoue, démission, clamait l'opposition qui, outrée, décidait de quitter l'hémicycle. Puisque c'est par petits bouts que vous êtes amenés, je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Les socialistes explosent de colère. Ils se lèvent d'un bloc pour quitter l'hémicycle. C'est insupportable. Je vous prie d'écouter le Premier ministre. Je vous en prie, assez de chahut. J'en ai marre, monsieur le Premier ministre. Allez-y. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Voilà quelques phrases qui ont marqué l'histoire, tandis que Ludivine Lopez nous rejoint dans cette salle des quatre colonnes, hein, lieu de contact entre les élus et la presse. À quelques jours des législatives, le Palais Bourbon, pour l'instant, est plutôt vide. Ça ne va pas durer. Jean-Louis Debré, vous vouliez réagir à ces images qu'on vient de voir. On vient de voir les images qui peuvent surprendre, mais qui ne me choquent pas. On est rentré dans l'époque de la communication. Et il faut faire un spectacle plus que de longs discours. Et les parlementaires l'ont compris. Tous les pays du monde, tous les parlements du monde ont des moments d'agitation où l'on retient l'attitude de certains. Donc il ne faut pas juger le Parlement à cela, il faut juger le Parlement à sa façon de faire la loi, de rédiger des lois, de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Alors la télévision et les journalistes seront présents ici dans cette salle des quatre colonnes où seront interviewés les nouveaux députés. Il y en aura 577, Ludivine Lopez, un chiffre qui ne doit rien au hasard. 577 donc, c'est le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Bon, ils sont rarement tous présents dans l'hémicycle, mais en tout cas, chacun
à son siège, 577. Ce chiffre date de 1986, mais ça n'a pas toujours été le même sous la Ve République. La Ve République est née. 1958, la Ve République est née. Nouvelle constitution, nouvelle assemblée et surtout nouveaux députés. Leur nombre est fixé à 579, deux de plus qu'aujourd'hui. Déjà, le Palais Bourbon s'est animé avec les nouveaux élus. On les a vus arriver conscients de leurs responsabilités, mais souriants pour prendre contact avec les lieux et les usages. Quatre ans plus tard, en 1962, première révolution. Conséquence de la décolonisation, le nombre d'élus baisse et passe de 579 à 482. En France, l'installation de la deuxième assemblée de la Ve République a ranimé les travées de l'hémicycle du Palais Bourbon. Et au Palais Bourbon, les sièges se font et se défont. Après 1962, le nombre de députés va repartir à la hausse. Avec la réorganisation des départements franciliens en 1967 et lyonnais en 1973, l'Assemblée compte 490 élus avec quelques originalités. Un père et un fils sont députés, messieurs Louis Jox, député du Rhône, et Pierre Jox, député de Saône-et-Loire. Il y aura aussi des homonymes qui siégeront ensemble, messieurs Paul et Michel Durafour, messieurs Alain et Robert-André Vivien. Mais il y aura surtout trois forts au Palais Bourbon. Après 1973, peu de mouvement dans l'hémicycle, hormis un siège supplémentaire. Il faudra attendre 1986 pour qu'un nouveau changement s'opère. 577 députés au lieu de 491. Il a fallu ajouter des sièges dans l'hémicycle, supprimer quelques travées, équiper les nouvelles places du système de vote électronique. C'est une décision du président Mitterrand. Il augmente le nombre de sièges à l'Assemblée en même temps qu'il instaure le scrutin à la proportionnelle. Résultat, la majorité de droite n'est pas toute puissante et l'extrême droite entre dans l'hémicycle. On bricole essentiellement aux extrémités de l'hémicycle, mais parfois, les menuisiers ont quelques états d'âme. J'ai peur que ça soit pour l'extrême droite, ça me dérange encore plus. Nommé Premier ministre, Jacques Chirac supprime la proportionnelle sans revenir sur le nombre de sièges de députés. Depuis, il n'a pas changé. Toujours 577, même si on a parfois du mal à s'en rappeler. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont nombreux. Aucune idée. Il y en a trop de toute manière. Mon bonheur ne dépend pas du nombre de députés. Beaucoup de députés, disait cet homme en 1993. Et vous en pensez quoi, Jean-Louis Debré, du nombre de députés? Est-ce qu'il y en a trop? Je pense que c'est pas le problème. Le problème, c'est que ces hommes et ces femmes qui sont élus représentent le mieux possible la France, ces territoires d'outre-mer et la diversité française. C'est ça l'important. Alors qu'il y en ait 480, 577, ça a évolué en fonction des époques. L'important, c'est que ces femmes et ces hommes qui sont des élus de la nation aient conscience qu'ils représentent la nation, mais aussi la diversité française. Ludivine, ce nombre de députés, est-ce qu'il a souvent été remis en question par le passé? En tout cas, c'est un sujet qui s'invite régulièrement dans le débat public. Par exemple, en 2013, des personnalités politiques de gauche comme de droite remettaient en question le nombre de parlementaires, députés et sénateurs confondus. C'était le cas du député PS du Lot-et-Garonne, Mathias Fekl. Écoutez-le. Il faut réduire le nombre de parlementaires. Aujourd'hui, il y a environ 1000 parlementaires en France. On peut faire moins à une condition, c'est de renforcer les pouvoirs des parlementaires qui resteront. Aujourd'hui, un parlementaire, ça, personne ne le voit, mais souvent, il est obligé de bricoler parce qu'il a des équipes beaucoup moins importantes que ses homologues. Pas assez de moyens, pas assez d'équipes. Donc, il vaut mieux qu'il y ait moins de parlementaires, mais que ceux qui sont en place aient plus de moyens, c'est ça? Moi, je crois tout à fait à ça. Et donc, 450, ça peut être 500, ça peut être 420, je ne sais pas. Il faut regarder concrètement ce que ça donne. Mais moi, je suis tout à fait favorable à cette proposition. Un Parlement resserré, donc, mais plus efficace, hein, c'est ce que disait Mathias Fekl à l'époque. En 2017, c'était aussi le projet d'Emmanuel Macron, il voulait réduire de 30% le nombre de parlementaires. C'était aussi l'une des mesures réclamées par les Gilets jaunes et discutées lors du grand débat national en 2019. Pourquoi est-ce que ce sujet, finalement, est toujours dans les discussions? Parce qu'on évite d'aborder ainsi les vrais sujets. La vraie question est de savoir quel est le pouvoir législatif des députés et des sénateurs, comment et par quelle procédure ils peuvent modifier la loi, et comment, et c'est ça les grandes fonctions du Parlement aujourd'hui dans tous les pays du monde, comment mieux assurer le contrôle par le Parlement de l'exécutif. C'est ça les vraies questions. En tout cas, dans quelques jours, ce sont bien 577 députés, oui, qui seront élus
Merci beaucoup, Ludivine. Mais combien de femmes siégeront dans l'hémicycle pour les 5 prochaines années? Ben, c'est le sujet dont on va parler tout de suite. Bonjour Géraldine, en 2017, 39% des femmes ont été élues députées et c'est un record. C'est un record, certes, hein, mais on n'est pas encore au niveau de la parité. Et cette Assemblée nationale, historiquement composée d'hommes, majoritairement composée d'hommes, peut parfois ressembler à une arène de combat de coq où les bonnes manières seraient restées coincées à l'entrée. Moqueries, insultes, sexisme, l'Assemblée nationale n'est pas épargnée. Dans la cour du palais, M. Édouard Herriot, président du Parti radical. M. Louis Marin. Et puis, des femmes, des communistes et des socialistes. Et puis, des femmes. Voilà comment étaient présentées en 1945 les 33 premières femmes élues députées. Quelques années plus tard, les femmes députées intriguent toujours autant. 1963, sexisme ordinaire de la part de cette journaliste. Votre mari a-t-il accepté sans difficulté que vous exerciez ce mandat ? Oui. Votre vie familiale ne souffre-t-elle pas de votre nouvelle activité parlementaire ? Je n'ai pas encore eu le temps de m'en rendre bien compte. Du sexisme de la part des journalistes, mais aussi au sein même de l'hémicycle. Est-ce que le fait d'être une femme, ça vous a gêné dans votre carrière ? Absolument pas. Bien sûr, il y a eu à vaincre un certain nombre de mentalités, à vaincre des esprits retardataires. Des esprits retardataires qui seront sans cesse dénoncés. Il est vrai que soit lorsque je suis en commission, soit lorsque je suis en séance, voire lorsque je préside une séance de l'Assemblée, il m'arrive de recueillir, d'entendre des interjections qui sont assez déplacées. Et en 2012, la scène est filmée. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Des sifflets qui font la une des médias. Mais non contents de leur petit effet, certains députés persistent et signent. Elle était très belle d'ailleurs, Madame Dufaux, ce jour-là. Elle avait une très belle robe, elle était tout à fait souriante et sémillante, et tout d'un coup, elle a piqué son phare. Ben, qu'elle pique son phare, hein, on s'en fout. Un an plus tard, alors qu'une députée a la parole, un collègue imite les caquettements d'une poule. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça enfin, franchement... Arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Cette fois, c'en est trop. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister, un comportement comme celui-là. J'ai compris que c'est parce que je suis une femme. En réaction, toutes les députées de gauche décident de marquer le coup pour dire stop, en faisant une arrivée groupée dans l'hémicycle. De son côté, le député Philippe Le Ray, auteur des bruits de poule, sera sanctionné avec un rappel à l'ordre et privé d'un quart de son indemnité pendant un mois. Même sanction, un an plus tard, pour le député Julien Aubert, en réaction à cet échange. Merci, Madame le Président. Merci, Madame le Président. Monsieur Aubert, je vous fais un petit rappel à l'ordre. C'est Madame la Présidente. Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président. Malgré ces rappels à l'ordre et ces sanctions, le sexisme perdure. Il touche aussi les journalistes politiques qui décident de lancer une pétition en 2015. On s'est aperçu qu'on avait toutes des anecdotes, alors pas sur des gestes déplacés, parce que ça c'est extrêmement grave, mais on avait toutes des anecdotes, notamment sur des propos sexistes déplacés. Des propos sexistes déplacés, Jean-Louis Debré, pendant votre mandat de 2002 à 2007, est-ce que vous avez été témoin de ce genre de comportement sexiste ? J'ai été témoin, comme partout, dans toute société, de personnages qui se conduisent bien et d'autres qui se conduisent mal. L'Assemblée est à l'image, souvent, d'une certaine société. Heureusement, c'est aujourd'hui de plus en plus marginal. Au fur et à mesure que l'hémicycle devient un endroit où il y a hommes et femmes à égalité, on voit disparaître ces propos. Il ne faut pas oublier que l'arrivée des femmes, on le dit dans ce film, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, c'est 1946. Et il y a toute une culture machiste. Bien, il y a encore des imbéciles partout. Il y a encore des machos partout, même dans le journalisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ne jugeons pas l'Assemblée
à quelques propos malheureux. Il faut les interdire, il faut les sanctionner, mais ce n'est pas le lot quotidien à l'Assemblée nationale. Voilà, Géraldine, on l'a vu dans le sujet, députés et journalistes politiques sont victimes de sexisme, mais pas seulement, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, il y a les assistantes parlementaires. En 2016, elles lancent un blog qui recensait les actes et les paroles sexistes et machistes, et la parole se libère doucement, parfois même face caméra, comme là en 2017. Il y a des noms de parlementaires qui circulaient entre collaboratrices parce qu'on savait qu'il ne fallait pas prendre l'ascenseur avec eux. Parce qu'il se passait quoi ? Parce qu'il y avait un risque qu'ils vous collent une main aux fesses, qu'il y avait des histoires. Et donc, il y avait une blacklist des mecs avec qui il ne fallait pas trop prendre de risques. C'est un exemple de sexisme ordinaire dans l'enceinte même où des textes contre les violences sexistes sont votés. Comment faire pour faire cesser ces comportements ? Vous avez évoqué une piste, faire qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire plus concrètement au sein de l'Assemblée nationale ? Et pour que la parole se libère, et je trouve très bien, mais ne montrons pas seulement du doigt l'Assemblée nationale. La société, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, à la fois dans le journalisme, mais dans les entreprises. Mais est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas une valeur d'exemple, de mais montrer l'exemple ? C'est pour ça qu'on doit être intransigeant, qu'on doit être transparent et qu'on doit chasser tous ces comportements. Mais c'est un combat contre la société elle-même qui a, siècle après siècle, généré ce machisme. Eh bien, nous sommes dans une nouvelle ère où doit triompher l'égalité, le respect de l'homme par la femme et de la femme par l'homme. C'est ça l'important. Et je crois que cette maison, qui a bien les côtés, est exemplaire, doit l'être par le fait de permettre à des hommes et à des femmes de travailler ensemble sans ambiguïté. Monsieur le Président, on va parler de ces débats législatifs qui vous sont si chers. Merci beaucoup. Merci à vous. Géraldine. L'inattendu, vous le savez, donc, et cette semaine à l'Assemblée nationale. Camille Dossert, on a passé quelques portiques de sécurité pour arriver jusqu'ici. Ça s'est très bien passé. Oui. Tout est fait, en fait, pour éviter des intrusions. L'Assemblée nationale n'est pas ouverte à n'importe qui. Exactement. Et des intrusions, il y en a eu ici à l'Assemblée. En 1893, un anarchiste a même réussi à entrer dans l'hémicycle et à y lancer une bombe. Ça faisait d'ailleurs la une du quotidien de Paris, mais parce qu'à l'époque, dans la salle des Pas-Perdus, juste à côté, les citoyens, comme nous, pouvaient y entrer, venir rencontrer leurs députés. L'Assemblée était un lieu ouvert. Aujourd'hui, c'est bien différent. Par exemple, pour assister à la séance des questions au gouvernement, il faut soit être invité par un député, soit être parmi les 10 premières personnes inscrites. Et la règle, elle est claire pour le public. Il faut être assis, découvert et se tenir en silence. Pas toujours. C'est ici qu'on vote les lois pour le peuple, mais où le peuple n'est pas vraiment le bienvenu. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée ! Ces excités, ce sont ces militants contre le mariage pour tous dans les tribunes le jour du vote de la loi en 2013. La tension est palpable. Soudain, une banderole réclamant un référendum est déployée. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée ! Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle ! Banderoles, cris, tout cela est interdit au public de l'Assemblée nationale. Mais dans l'hémicycle, les militants qui se glissent parmi les spectateurs imposent leur loi. Entrée en scène des intermittents du spectacle en 2003. Acte 1, la question, celle d'un député PS à propos des intermittents. Monsieur Ayagon. Acte 2, la réponse, non celle du ministre, mais celle d'une partie du public. Trois intermittents tentent de lire un texte, du jamais vu aux questions d'actualité. Acte 3, les accusations. Le mot « voyou » est lâché, la droite accuse la gauche d'un coup monté. Ça s'engueule, s'envoie des noms d'oiseaux, l'intrusion de militants brise le cadre policé de l'Assemblée. Ces images sont d'ailleurs si rares qu'à chaque fois, elles font l'ouverture du JT. Un incident rare, mais sans gravité, un inconnu a réussi à s'approcher de Jean-Pierre Raffarin. Petit moment de panique, il a été attrapé par les pieds par les huissiers. Ça paraît fou, mais en 2002, cet homme déjoue la sécurité de l'Assemblée et s'approche au plus près du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Plus de peur que de mal, l'homme voulait juste lui remettre une coupe sportive.
Mais preuve en est, la sécurité n'est jamais infaillible. Ce matin, déjà une dizaine de militants de Greenpeace étaient parvenus à grimper sur les toits de l'Assemblée nationale. En 2009, après avoir pris d'assaut le toit du Palais Bourbon, d'autres militants de Greenpeace entrent dans l'Assemblée et tout d'un coup... Un déboulé de gendarmes dans les couloirs du Palais Bourbon. Sur le qui-vive. Ça sert à rien de pousser aussi, monsieur. Des gendarmes sur les dents, car à l'intérieur de l'hémicycle, une militante est en train de descendre en rappel dans les tribunes des députés. Une banderole est rapidement déployée où l'on peut lire « Aux actes, monsieur le président ». À droite, c'est la colère, l'indignation. Ambiance volcanique, alors que les députés verts encouragent les perturbateurs. Vous avez vu le peu de députés qui étaient présents. Bien, grâce à Greenpeace, aujourd'hui, on parle du problème du climat. Le lendemain, la militante descendue en rappel est l'invitée du 13h de France 2. On vous a accusé hier d'utiliser des méthodes fascistes, hein, je cite, et de violer la démocratie. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je crois que bien au contraire, on ne viole pas la démocratie, on a choisi la maison du peuple pour faire passer un message. On s'est dit, rentrons dans l'hémicycle, allons prendre la parole à côté des députés. La maison du peuple, un endroit stratégique devant lequel convergent bon nombre de manifestations et qui, à chaque fois, est largement protégé par les forces de l'ordre. Mais le temps des grandes intrusions semble derrière nous, jusqu'à la prochaine. On a vu ces images en 2003, Jean-Louis Debré, où un homme approche Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Si vous voulez, c'était la rentrée parlementaire, les nouveaux députés rentrent, Raffarin monte à la tribune pour faire son discours de politique générale, et à ce moment-là, un individu monte et lui remet une coupe. L'enquête qu'on a diligenté après, on me dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il est rentré ? Et moi qui avais fait du patin à roulettes, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les couloirs et sous-sols, j'ai montré comment on pouvait rentrer. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut plus rentrer. D'accord, mais vous nous le dites pas. En l'occurrence, l'enquête a montré qu'il était, il avait pénétré dans cette maison grâce à la complicité de la députée. Et justement, après cet incident en 2003, vous avez demandé une étude sur la sécurité des députés et 3 mois plus tard, eh bien, la sécurité est renforcée. Impossible de rentrer sans être dûment badgé, badge vert, orange, jaune ou bleu, estampillé S, G ou H comme hémicycle, un hémicycle à l'accès désormais restreint. Lorsque le Parlement s'est réuni, il n'y aura aucune exception, même avec moi. Depuis aujourd'hui donc, le port du badge est obligatoire pour tous. Alors les huissiers, dit-on, ont révisé. Un trombinoscope leur a même été distribué cet été. Non mais là, il peut pas passer. Est-ce qu'un badge, ça suffit pour sécuriser l'Assemblée ? Il n'y a pas que le badge. On a ici des hommes et des femmes, huissiers remarquables, qui apprennent à reconnaître les hommes et les femmes qui sont les élus, les assistants parlementaires. Le badge ne fait pas tout. Dans l'histoire, il y a toujours eu des intrusions. Vous avez rappelé l'attentat avec la Bellemire, mais il y en a eu bien d'autres. Mais la résonance était une résonance pas très grande. Aujourd'hui, imaginez les chaînes de télévision, la vôtre, comme les autres. S'il y a le moindre incident ici, ça devient un événement mondial et ça devient un argument pour contester la légitimité des représentants du peuple. Monsieur le Président Jean-Louis Debré, mille merci de nous avoir accueillis dans votre maison. Dans la maison de la France. Mais je m'imagine tellement vous voir en train de faire du patin à roulettes ici, ça serait extraordinaire. Écoutez, quand les caméras sont terminées, je vous montrerai comment on fait. Merci beaucoup, Camille. Voilà, on va terminer cet inattendu à l'Assemblée nationale sur une pépite qui, je pense, devrait vous rappeler quelques bons souvenirs. Regardez. Permettez-moi très simplement de vous remercier, de vous adresser mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous et vous dire très simplement aussi que cela restera l'honneur de ma vie d'avoir présidé l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, Jean-Louis Debré, c'était votre dernier jour
sur le perchoir dans l'hémicycle. Oui, et c'est véritablement l'honneur de ma vie parce que j'aime tellement cette maison et j'aime tellement la démocratie parlementaire que l'avoir présidé au débat, ça a été pour moi un moment exceptionnel. Et on l'a bien constaté parce que depuis le début de l'enregistrement de cette émission, tous les gens que nous croisons viennent vous voir et vous saluer chaleureusement. Parce que ce sont mes amis, parce qu'ils servent la démocratie parlementaire. Et nous, on se retrouve pour servir France Info la semaine prochaine sur le canal 27. L'inattendu, c'est aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit France Info ou ceux de l'INA, émission préparée avec nos documentalistes. Merci à vous, Camille, pour ce sujet. Et merci, bien sûr, à toute l'équipe. Et merci à vous qui êtes présents chaque semaine. À la semaine prochaine.